Moteur à fait le tour. Alors, je vais enlever d'abord le joker pour tout à l'heure. Et tous les joker. Vous savez qu'on a tous des cartes favorites. Toi, c'est le 6 de trèfle. 6 de trèfle. Jérôme, c'est le 4 de cœur, je crois. Mmh. Moi, c'est le 8 de carreau. Normalement, on ne dit jamais les trucs en magie, la fin et tout. Moi, je dis, non, pour une fois, mon 8 de carreau est dedans et c'est ma carte favorite. Lionel, est-ce que le fait de savoir que c'est mon 8 de carreau, c'est ma carte favorite, ça va t'influencer? Non. Ça va rien changer à ta vie. Exactement. Donc j'ai bien fait de le dire. Exactement. Mais c'est quand même ma carte favorite qui est dedans, on sait pas où. Si par exemple je te demande de couper le jeu en 3 paquets comme ça, mm-hmm. Vas-y. Est-ce que le fait d'avoir, de savoir que c'était le 8 de carreau, ça t'a influencé et fait des trucs un peu bizarres? Non. Non. T'as vu qu'il y a un certain nombre ici, un certain nombre là et un certain nombre là. Tout à fait. T'aurais pu faire plus grand là, plus petit, ou une carte de plus, une carte de moins, mais vraiment... C'est peut-être ce que j'ai fait. Une carte de plus, une carte de moins. Je sais pas. Donc, ça aurait pu changer, si je t'avais demandé 2 secondes plus tard, ça aurait pu changer le nombre. D'accord. Mais c'est pas parce que c'est 8 de carreau que ça a fait ça. C'est parce que c'est le moment voulu. Tu vas prendre ce jeu, tu vas le mélanger. Et tu vas choisir une carte. De là-dedans. Ça sera donc ta carte favorite. Est-ce que le fait que ma carte favorite soit le 8 de carreau, ça t'influence sur le choix de ta carte? Pas du tout. Non. Tout va bien. J'ai bien fait de le dire que c'était... Là, prends-la la carte. Sors-la. Sors-la, tu la montreras à tout le monde. Hein. C'est la mienne en plus. C'est vrai? Ah. Tiens, sors-la, tu la mets de côté. Tu la poses ici. Et tu mélanges. Là, tu remets dessus. Voilà. Tu remets où? Là, tu poses là-dessus. Et la carte favorite, tu la mets ici. Tu es d'accord qu'elle est en contact avec une carte? Ouais. Comme tu as mélangé, ça aurait pu être une autre carte. Et comme tu as coupé des petits, des moyens, des grands, ça aurait pu être beaucoup plus de cartes, beaucoup moins de cartes. Donc tu prends ce jeu, tu mélanges. Pour l'instant, c'est net. C'est honnête. Là, c'est clean. C'est honnête. Qu'est-ce que je peux dire par là? C'est que comme tu as coupé comme ça, ça c'est un petit paquet, il aurait pu être plus gros. Donc si tu poses ce paquet sur ta carte, parce qu'elle est là ta carte, si tu avais coupé différemment, il y en aurait eu ou plus ou moins. En partant du dessus, elle aurait été à une certaine place qui est différente. J'ai pas menti, Yvan. Absolument. Mais est-ce que ça peut jouer par rapport à ma carte favorite? Non. Non. Tu es d'accord? Donc elle peut être à n'importe quel endroit ma carte favorite. En fonction de ce qu'il a fait, ça aurait pu changer. Ça n'aurait aucun rapport avec ma carte favorite, mais elle y est quand même dedans. Alors regardez ce que je vais faire. Je vais couper le jeu en deux, 26-26. La seule chose qu'il faudrait voir, c'est si je manipule et si je change des places en fonction... Il ne faudrait pas que je bouge, voilà. Il faudrait que je sois honnête. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26. Est-ce que j'ai triché? Non. Jusque-là, non. Jusque-là, c'est honnête. Il y a ta carte favorite qui est le, je sais pas, et la mienne qui est le 8 de carreau. C'est bien. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, je voulais pas faire ça. Ah, ça sert à rien. D'accord. Je vais tourner les cartes. Et on va voir à quel emplacement se trouve ta carte, qu'est-ce qu'il y a à côté et à quel emplacement il y a ma carte à côté. Tant c'est deux mêmes cartes pareilles. Par exemple, toi, ta carte en face, il y a un roi, et moi, en face du 8 de carreau, il y a un roi. Ça serait miraculeux. Est-ce qu'il serait fort, ça serait en face de celle de trèfle, en face de ma carte, j'ai le 8 de carreau. Ça serait miracle. T'es magicien? C'est vrai. Donc, si tu vois passer ta carte, tu me dis stop et on regarde ce qu'il y a en face. Et moi, dès que je vois passer mon 8 de carreau, je me dis pas stop, mais je le verrai de suite. Hop. Elle n'est pas passée. Non. Non, non, non. Elle devrait arriver avant toi. Moi. Ah. Moi, j'ai le 8 de carreau ici. C'était quoi ta carte? 7 de trèfle. Ça serait incroyable si c'était le possible. 7 de trèfle. Ouais. C'est pas fini, Ce qui est bien, c'est que le jeu a été mélangé. On peut mélanger, on s'en fout. Hein. Voilà. Hop. On peut le refaire? Regarde, tu dois couper 3 parties. Tac, tac, tac. C'est bon? C'est toi qui as coupé, j'ai pas le droit de toucher. J'ai pas le droit de changer en fin de compte. D'accord. Tu mélanges.
Ouais, bah oui, c'est ça, ils sont là. Donc tu, mais tu choisis une carte, comme tout à l'heure. Mais pas lui de garrot. Allez, tiens, on va changer. Tu la prends, tu la montres à tout le monde. Oh, oui. Monsieur, je tu la mets là, hein. Tu mets ça par-dessus. T'as mélangé, on s'en fout. Oui, c'est ouais, bon. C'est bon. Tu mets la carte, tu remélanges, tu remets dessus. Honnête ? Ah oui. C'est toujours honnête. Le jeu a été mélangé, même au début. Les cartes, t'as fait l'état que t'as voulu. Et on va recouper en deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26. Hop là. Ça, c'est les jokers. Joanie, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ici, l'as de pique. On l'enlève et on remplace l'as de pique par deux cartes. T'as dit stop n'importe où ou je t'ai influencé ? Tu aurais pu dire stop avant, après, c'est toi qui as voulu. L'as de pique, c'est bon ? Oui. Ça te convient. Donc, on a mis les deux jokers à la place de l'as de pique. Je crois que vous commencez à comprendre. Je sais pas où est ta carte. Je sais pas combien de cartes t'as coupé, ce que t'as choisi, je sais. Lui, il a dit stop n'importe où. En plus, t'es parti ici, t'aurais pu dire plus vers là-bas. Ça serait un miracle, oui, parce que j'entends sandwich, sandwich. Encore quelqu'un qui a faim. Et où se trouve le 8 de carreau? Où se trouve le 8? Ah non, on parle pas du 8 de carreau. On parle du joker, que j'en ai mis deux, à la place de l'as de pique, où il a dit stop. Il a donc un sandwich de cartes, et une carte. Un sandwich. C'était quoi? Le roi de trèfle. Ah. Ça m'arrange. Ouais, 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 ouais. Ah, elle est pas belle la vie. Bien ou bien? Bien, bien. Très propre. Oui, pour la pression. Ah, non, ça c'est 6 de cœur. Alors, 7 de cœur. Si celle-là c'est la tienne, ça serait un miracle. Ça serait même impossible. Ça serait même impossible. C'était quoi ta carte? Passe de pique. Ça marche. Ah, il fait mal. Ah, il fait mal. Ah, il fait mal. J'ai réussi à te faire mal à toi. Il fait mal. Franchement, il fait mal. Non? Non. Alors, ce que tu vas faire, tu vas me dire stop quand tu veux. Stop, ici, 8 de trèfle. Ouais. À la place de 8 de trèfle, là où tu m'as dit stop, je mets mes deux jokers. Est-ce que c'est une embrouille quelque part non. Ou c'est, t'as choisi librement ouais. Tu aurais pu te dire stop ici ouais. Ou là ou là. C'est ouais. Toi, j'ai pas forcé là. Hein. Non, là c'est chaud là. Ah là ouais. C'est chaud parce que t'as dit n'importe où. Regarde, regarde, les jokers ouais. Ils arrivent. C'est impossible. Regarde, ah paf, paf. Pif, paf. Entre, non ah, t'arrêtes de me connaître. Attends, j'ai. Entre les deux. Il y a une carte, c'était quoi ta carte? 4 de carreau. Et si c'est ça, c'est pas un miracle? Ah, j'adore. C'est vous qui l'avez fait? C'est moi. C'est toi qui l'as fait, il est fantastique. C'est moi, enfin, d'après... Vraiment, il est vraiment bien. Mais je suis sûr qu'il doit être tout con, putain de merde. En plus, non mais... Non mais il est magnifique, franchement, j'arrive pas à le voir. Oh, c'est pas tout con. C'est pas tout con, c'est un remontable, c'est bien pensé. Excusez-moi. Comme tu veux. Top. Ici, le 4 de carreau. En plus, c'est amateur. Hop, hop. Donc il y a eu un genre de sandwich qui s'est fait automatiquement, c'est logique. Entre mes deux jokers, est-ce que vous pouvez me dire le nom de votre carte? Un roi de bœuf. Moi, je dirais. Un roi de trèfle. Ça marche. Allez, c'est pas mal. Ah, franchement, là, alors, c'est franchement, là, on ne sait plus où on en est. Là, c'est vraiment. Et en plus, peux... mais sans mélanger dans ce style, toutes les cartes le sont au jeu. Tu oui, fais passer deux pour... cartes sous. Oui, pour les bébés, on l'a souvent fait. C'est pas mal. Mais celui-là, c'est... Tu oui, je le faisais quand j'étais petit, celui-là. Il a l'air d'accord. Il est bon, celui-là ouais, il est très bien. Il est très bon. Ouais, est surtout très, que. Est très bien, celui-là. Tu enfin, coupes c'est... n'importe où, tu fais comme tu veux. C'est sur le deuxième coup, ça m'a le plus. Ah, sur le deuxième coup ouais, ouais, en le plus. Deuxième coup, ouais. Pourquoi le premier, non? Si, c'est pas mal, mais le deuxième coup, je trouve que c'est pire. C'est encore le. Ouais, c'est... Ouais, qui t'achève.